On arrive enfin à 17h à la cabane. On est heureuse d'être arrivée. Et voilà, nous partons en direction du col de l'Opet et sous la neige. Et je vous présente Maroussia. On part assez chargé. Là, moi, je dois avoir 12,5 kg, un peu plus. Je pense que ça pourra monter à 13 avec les vestes et tout ça. Mais et ça fait un moment que j'ai pas porté autant. Mais bon, ça va pour l'instant. Non, ça fait 5 minutes qu'on marche. Premier obstacle, faut qu'on traverse ça. On va s'aider avec l'arbre là en face et puis peut-être le tronc ici. Donc c'est notre seule nourriture du week-end, les cynorhodons, plein de vitamine C. Et donc quand on appuie bien vers le bas, hop, il y a toute la poule qui sort. Et c'est délicieux. Oh non! Regardez Maroussia ce qu'elle emmène en bivouac. J'avais menti, on mange pas que des cynorhodons. On était super salade. On fait une pause un peu brève parce qu'il fait froid, c'est genre moins 3. Avant d'attaquer la dernière montée. J'ai jamais mangé devant une caméra comme ça. Parce qu'il y a plus passionnant. C'est vrai. Tu me diras s'il faut que je fasse des petites choses. Hein. Les bombes. Bien fait. On part en hors sentier pour éviter les passages un peu trop risqués au niveau avalanche. Des petits passages à flanc ou des pentes assez raides où il n'y a pas d'arbres, genre clairière. Et du coup, on ne veut pas prendre de risques. Donc on passe sur des pentes plus douces dans la forêt et on retrouvera le chemin un peu plus loin. On s'engage dans le pas des Bachassons. Ok. Au niveau des pentes, tu penses que ça va? Ça va parce que sur nos pentes, il n'y a quand même pas beaucoup de neige. Et au-dessus, c'est pareil. Il n'y en a pas beaucoup. On arrive enfin à 17h à la cabane. Et ben il était temps parce que il fait froid et on est fatigué. Je peux me retourner? On est heureuse d'être arrivée. On va aller se mettre au chaud, mais relatif parce qu'il n'y a pas de poils. Mais bon, on sera à l'abri du vent et de la neige. Pensez à nous. Nous sommes à l'abri dans la cabane. On prépare des thermos d'eau chaude pour la nuit et puis demain matin. Et là, on fait chauffer l'eau pour les pattes. Et la nuit est tombée. Il fait pas de nuit noire, mais bon, on n'y voit rien. La prochaine mission, ça va être d'aller chercher de la neige pour faire fondre. Ouais, c'est ça. Et évidemment, on a très envie d'y aller. Il faut remettre les chaussures gelées, mais en même temps, il vaut mieux les mettre maintenant qu'elles n'ont pas gelé, plutôt que dans quelques heures. Peut-être. Le truc, c'est que j'aurais besoin de ça pour mettre. Ah, mais non, je peux mettre dans mon assiette.
Mais ça fait pas le bruit. Tu peux fermer ça aussi. Ouais, ok, ça marche. Je vais y aller. Notre festin de la neige. Des pâtes à la sauce tomate maison. Déshydratées. Des sardines. Et du fromage. Bon appétit. Bon appétit. Voilà, donc la popote à cramer. Donc la technique de lavage. De mettre une petite cuillère de neige. Allez, 6 petites cuillères de neige. C'est la recette. Et ensuite, avec la cuillère en bois et la neige, on vient frotter le fond qui colle terriblement. Donc ça ne marche pas. C'est la seule solution pour pas avoir de l'eau qui a le goût de pâte cramée toute la nuit et tout le lendemain. Donc voilà. Ça va être l'activité du soir. Merci pour ce tutoriel. Et voilà, après un fond de persévérance, le fond de la casserole est presque tout propre, avec un jus de noir cramé. Apparemment, ça revigore pour le froid. C'est technique à Eve. On peut aller faire des randonnées avec elle. Merci pour la pub. On est installé dans notre petit lit. On a fait une séance d'étirement, 3 heures de yoga. Il est minuit, on va se coucher. Non, en vrai, je sais pas quelle heure il est. Je vois rien. Il est 20h22, c'est très honorable. Et il fait 1 degré. Ça aussi, c'est pas mal. Ouais, c'est le luxe. C'est le grand luxe. Sachant que dehors, il doit faire à peu près moins 15. Et il y a un vent énorme qui souffle, on l'entend de temps en temps. Bon, bah, bonne nuit. Toutes nos traces ont disparu. Celle-ci, c'est celle de cette nuit quand on est allé faire pipi au milieu de la nuit. Et les autres, elles ont été recouvertes par le vent et la neige. Ah oui, je suis Dieu. On a fait la grasse mat, il est 9h30. La température est tombée à moins 2. Mais pas plus bas, ici, à l'intérieur. Donc on a bien chauffé la salle. On voulait se débarrasser discrètement de notre mixture d'hier, que l'eau de vaisselle, quoi, mais elle a gelé. Puis pas qu'un peu, quoi. Ah, et c'est l'odeur du refuge. Eh ouais, on peut pas l'embarquer. Oh, miracle. Il suffisait d'appuyer, comme un gâteau. Qui veut une glace de bon matin. Thank you.
Ah ouais, c'est vrai. On a dit au revoir à la petite cabane. On a fait séance de photos. Et maintenant, on repart. Et en fait, derrière, c'est le Grand Vémont. Peut-être une antécime, on voit pas forcément le sommet, mais... Et là, on est au soleil, ça fait du bien entre deux rafales. Parce que les rafales, elles sont glaciales, mais... Et on va arriver sur les falaises. C'est superbe de découvrir ce matin tout ce qu'on n'a pas pu voir hier parce que c'était tout dans les nuages. Donc on arrive à on repère le mont Aiguille, la cabane de Pré-Perret où on aurait pu aller. Et on profite du soleil. Oh, et la neige, elle est profonde. Heureusement, elle a un peu gelé, donc il y a plein d'endroits où on s'enfonce pas. Il y a aussi plein d'endroits où on s'enfonce. Et le pas des Vaches-à-Sons par où on est monté hier dans le brouillard, enfin pas dans le brouillard mais on n'y voyait pas grand chose, c'était le long là, dans cette combe. On arrive au pas de la selle. On prend ceux-là, ça te va? Eh ben oui, parce que les autres, ils sont à ta taille. Accordés à mes chaussures. Ça marche. On peut monter, il y a un peu moins de neige. Ouais. On va faire la pause pique-nique au soleil devant le mont Aiguille. Sous les arbres qui fondent. Ah oui. Ça donne pas trop envie de redescendre hein, la brume. Non, camarade. Voilà, on est redescendu de la montagne. Après un très très beau week-end de 2 jours dans le froid et la neige, j'ai trouvé ça super équilibré entre hier avec les flocons qui tombaient et cette atmosphère un peu sombre. Et puis aujourd'hui le grand soleil, la mer de nuages, la neige qui brille. Voilà, donc j'étais très heureuse et très heureuse de partager ça avec Maroussia. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et puis si vous voulez me soutenir sur Tipeee, c'est avec plaisir.
Et puis je vous dis à la prochaine. Salut. Maroussia, elle s'est pas assez entraînée, du coup elle fait des tractions. Et une, et deux, et trois. Oh, toute petite. Ah, j'ai cassé la gueule.